Bonjour à tous, ici c'est Margeant59. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale et très courte. Ça va être une vidéo auquel je vais vous faire partager mes deux maisons favorites que je vous fais partager en ce moment en vidéo avec la famille Futuriste et la famille Lola et Aurélien. Donc mon but aujourd'hui en vidéo, en fait j'ai envie de vous mettre en téléchargement les terrains avec les maisons de ces deux familles, parce que c'est deux familles qui me plaisent énormément et c'est deux familles aussi auxquelles j'aimerais que vous en avez des souvenirs en les prenant avec vous et en les installant dans votre jeu si vous en avez envie. Donc vous avez le choix, ou vous prenez les deux familles, c'est-à-dire les deux terrains avec les deux familles, ou alors vous prenez soit la famille Futuriste ou la famille Lola et Aurélien. J'ai eu cette idée-là grâce à une abonnée hier qui m'a envoyé un commentaire sur YouTube qui m'a demandé si j'allais mettre en téléchargement le terrain et la famille de Lola et Aurélien. Et c'est de là que j'ai eu l'idée ce matin en me disant pourquoi pas ne pas mettre les deux familles que je vous fais partager en téléchargement. Donc bien sûr, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens des téléchargements. Mais au total, vous aurez trois téléchargements. Je vous explique. Le premier téléchargement sera la famille Futuriste. Le deuxième téléchargement sera la famille Lola et Aurélien. Et le troisième téléchargement que vous aurez besoin, bien sûr, si vous ne l'avez pas, c'est le logiciel Sims 2 Pack. En fait, ce logiciel-là va vous permettre de télécharger tout ce que vous voulez, ainsi que d'installer des maisons, des décos, des contenus personnalisés. C'est vrai qu'au début, moi, je m'en servais pas, mais j'ai jugé au fur et à mesure qu'on en avait quand même besoin. Donc, pour ceux qui ont ce logiciel-là, Sims 2 Pack, vous pourrez l'utiliser, et c'est grâce à ça que vous pourrez avoir la famille Futuriste et la famille Lola et Aurélien. Et pour ceux qui ne l'ont pas, bah, du coup, je vous le mets dans la description. Et en fait, vous pourrez le télécharger. Et comme ça, tout ce que vous allez télécharger, ça va s'installer automatiquement avec Sims 2 Pack. Voilà. Ensuite, une autre chose aussi auquel je tiens à vous dire. Là, parmi les photos que vous voyez là, en fait, vous aurez la structure des maisons ainsi que les terrains. Mais je ne pense pas, du moins je n'ai pas fait le test, mais je ne pense pas que vous aurez tous les objets des maisons. Ça, je ne pense pas du tout. Je pense que vous aurez uniquement les structures. Si je ne me trompe pas, ça doit être comme ça que ça va fonctionner. Maintenant, si vous voulez avoir quelques contenus des objets que moi j'ai mis dans les maisons, vous pourrez toujours me les demander, parce que moi je les ai encore avec moi, et comme ça je pourrais là aussi vous les mettre en téléchargement. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo là elle vous plaira. J'espère en tout cas aussi que bah voilà, ça va vous plaire de prendre ces maisons là, parce que c'est vrai que il y en a beaucoup quand ils font des familles. Bah c'est vrai qu'on n'est pas toujours doué dans la construction de maisons, et quand on voit des maisons construites par d'autres personnes, on aimerait toujours les prendre. Donc du coup, c'est vrai que moi ça me fait plaisir de vous les faire partager. Non seulement je vous fais partager en vidéo, et je tiens aussi à vous les faire partager en contenu, comme ça vous pourrez les télécharger, les installer dans votre jeu, et vous faites tout ce que vous voulez aussi. Après, vous pourrez peut-être, comme vous pouvez modifier le terrain, modifier les maisons, modifier l'intérieur, vous faites après ce que vous voulez avec les maisons. Pourquoi aussi je fais ça? Parce que c'est vrai qu'on a bien avancé dans ces familles-là. Dans la famille Futuriste, on a bien avancé. Dans la famille Lola et Aurélien, on a bien avancé. Et à un moment donné, je vais devoir passer à autre chose. Ces familles-là, après, voilà, on ne va plus les voir. Pour l'instant, je continue toujours avec eux. Tant qu'il y a toujours quelque chose à vous proposer avec ces deux familles-là, c'est sûr, je continue avec eux. Mais à un moment donné, il y aura une fin, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça aussi que je tiens à vous les faire partager, comme ça vous aurez toujours un souvenir de ce qu'on a fait ensemble. Voilà. Donc voilà, donc moi sur ce, je vous laisse. Vous inquiétez pas, dans la description, je vous mettrai les liens des téléchargements, donc vous les installerez. En tout cas, si vous avez un problème, je ne pense pas, si vous avez un problème, si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment les installer, vous pourrez toujours venir me voir ou en commentaire sur YouTube ou en commentaire sur Facebook. Vous pourrez toujours me joindre sur Facebook, sur YouTube, et moi je vous dirai comment ça fonctionne, comment les installer. Et vous, vous pourrez me dire de votre côté si vous avez réussi à les installer et si vous arrivez à jouer avec. Donc voilà, donc moi sur ce, je vous laisse. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir que je fasse ça. Moi en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous les faire partager.
Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec les Sims 2. Bye bye!